14 kilo Mike 33 08. Voilà, j'ai oublié de le dire. Voilà, donc également kilo Mike. Je sais pas si on s'était copié récemment, là je crois pas. Ah, tu me reçois bien là-bas sur les morts? C'est une radio 4, radio 4, signal 2, 3, ça va, c'est correct. Ok, ben écoute, ravi de t'entendre. Il faudrait pas qu'il y ait un point avec le RN parce que je te sortirai plus, mais c'était dans les négatives, mais t'as la radio bonne et je comprends ce que tu me dis. Breakover. Oui, on va laisser entrer le break, plus j'ai une fou plus en rire. Alors. Les 73 à vous deux de la part de 14 km 33 01 Rémi d'Andy 33 au QRA. Salut Rémi, ravi de t'entendre. Bonjour Rémi, 73. 73 au tournée, comment allez-vous? Avec un petit peu de retard, oui. Bon, de toute façon, j'étais là en écoute là sur la fréquence pendant que j'étais en train de bricoler sur le forum. Hachi. Je reprends. Bah écoute, ça va. La météo est clémente, donc voilà, ça peut aller. Retour à Gilles. Ok Rémi, Rémi, on se connaît bien, alors on se parle souvent. Ouais, donc des fois, on est dans des conditions merdiques de QRM, mais c'est pas grave, on arrive à s'entendre. Oui, je suis sur la fréquence du QSO du soir, j'ai l'impression. Oui, affirmatif, tous les week-ends et puis tous les vendredis soirs, samedi soir, dimanche soir, il y a le QSO programmé, il y a deux QSO programmés, un à 18h, l'autre à 21h. Après, bon, chacun fait comme il veut, hein, de toute façon, il n'y a aucune obligation. Ok, comment c'est en USB là, ça grésille toujours comme ça faisait ou c'est uniquement sur le 545? Ah, je sais pas, j'étais pas sur le 555. Donc là, je pourrais pas te dire. Mais de mon côté, en tout cas, tu passes bien ce soir. C'est nickel, c'est une bonne radio de 5. Et d'ailleurs, pour info, là, je suis en train de faire une petite vidéo, une de plus. L'autre, là, j'étais en train de commencer à la partager. Celle d'hier. Oh putain. Là, c'est à la queue leu que ça tombe en ce moment. Tellement qu'on fait de QSO les uns les autres. C'est bon signe, ça prouve qu'il y a de plus en plus de monde dans l'instant. À toi le micro, excuse-moi, j'ai mangé pendant. J'ai pas fait attention quand tu me l'as dit, voilà. Ok, ouais, c'est Nicolas, merci. Ouais, j'ai monté un peu la puissance, là, j'ai oublié, j'avais tout baissé pour aller en FM là tout à l'heure. J'ai changé la bande passante là, j'ai descendu sur du 2 kg pour que tu m'entendes. Un peu plus dans les aigus, ça devrait être un peu plus confortable pour toi, Gilles, voilà. Je sais pas, est-ce que tu me confirmes, là, c'est bon, c'est plus confortable pour toi? Oui, retour, Gilles. Pardon, excuse-moi, Nicolas, je croyais que tu parlais à Rémi et j'ai pas fait attention. J'ai essayé de faire un réglage sur ta réception, parce que tu m'as tout petit, mais... Mais j'ai pas fait attention, excusez-moi. Hein. Pas de soucis, Gilles. Ah, bon, ben, c'est un peu compliqué. Ben, déjà, je suis bien content qu'on arrive à s'entendre, voilà. C'est chose rare, voilà. Je sais même pas si je t'ai déjà copié depuis le QRA. J'ai un gros doute, hein. Il me semble pas, honnêtement. Donc je suis bien content de te croiser en cette fin d'après-midi. Et oui, je disais, bon, j'ai joué un peu avec les filtres là sur la réception. Donc moi, de mon côté, il n'y a pas de problème pour recevoir tout le monde. Mais en émission, là, j'ai baissé un peu la bande passante pour que ce soit un petit peu plus punchy, voilà. Peut-être que tu m'entendras mieux, je ne sais pas, je vais laisser comme ça quand même. Voilà, retour pour Rémi. Voilà, bon, bah, de toute façon, de mon côté, là, ça passe très bien, hein. Au contraire, hein, ça passe fort, hein, de mon côté. Hein. Là, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ok, ouais, toi, c'est pareil, Rémi. Bon, après, on est...
on est relativement proche là. Et bon, ça ne peut que bien passer. Après, voilà, non mais Gilles, Radio 4 hein, quand même, une bonne audio, j'arrive à le sortir. J'ai pas de QRM ici, donc c'est confortable. Et puis, signal entre 2 et 3, c'est variable. Mais voilà, c'est amplement suffisant pour faire QSO. Alors Gilles parlait des perturbations là sur le triple 5, j'y étais tout à l'heure, là j'ai appelé 4 ou 5 fois de suite. J'ai un QRM fantastique là aujourd'hui sur le triple 5. Très très désagréable. Bon, j'ai des filtres et tout ça pour corriger, mais quand même, c'est un peu compliqué. Si quelqu'un répond derrière, c'est pas sûr que j'arrive à le sortir, malheureusement. Voilà, il y a des journées comme ça. Ah, visiblement, Gilles, il a vraiment du mal à t'entendre. Non, c'est pas ça, c'est que comme il m'arrive tout petit, mais je le comprends, il suffit que j'ai un point de QRM et ça le passe par-dessus, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ok, d'accord. Ah ben justement, Nicolas, bon je pense que tu le connais hein, sur Facebook, c'est Nicolas avec un K, voilà, il n'a pas 50, il n'y en a qu'un seul, voilà, alors il est en même temps assez balèze au niveau technique et tout. Nico, est-ce que tu aurais une astuce facile à mettre en place là, pour lui faire baisser les QRM, parce que c'est vrai que ça c'est l'éternel problème. Ouais, j'ai entendu un Roger Bip de 9009 ou quelque chose comme ça, une voix féminine. Ouh, j'ai reconnu les 88, madame. Alors j'ai un QRM de 5 de mon côté, donc je t'entends parler, c'est pas évident à décrypter ce que tu dis, là c'est bien dommage. On a connu mieux c'est sûr, mais là c'est vrai que c'est moyen là aujourd'hui. Là. C'est, je vais faire un retour de micro sur Gilles qui lui t'entend bien, enfin je suppose. Alors c'est 14 kilomètres 33. Oh ben zut. Ah zut, elle était avec nous hier soir à la réunion ERCI. Notre présidente, non n'importe quoi, notre responsable DX à l'ERCI. Ah ah, tu trouves pas? Non, c'est qui? Bon, alors, dans les kilomètres qu'il y a sur le 33, il y a combien d'YL? Hein? On peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Là, c'est une main suffit de compter. Alors, si elle doit passer la serpillière sur le QRM, là, il y a un gros raté, là, sur le coup. Alors, tu parles assez souvent avec elle en fréquence? Ah, mais moi, je sais pas, hein, je connais personne là-dessus, je débute. Je suis novice. Ah, je suis trois coups, ok, je vois que t'es comme moi, t'aimes bien faire courir un petit peu. Ouais, là, ben, le dernier coup, ben, tiens, justement, le week-end dernier, on était tous les trois en QSO ensemble. Et on avait dû basculer en Lima Sierra Bravo pour que ça passe mieux. On a fait un test en FM, alors là, ça a été cracra. On est repassé en Lima Sierra Bravo, et là, on s'est tous à nouveau entendus. Ah ben tiens, ça peut être une solution.
Est-ce que tout le monde est d'accord pour passer en Lima Sierra Bravo de façon à ce que ce soit en espérant que ce soit plus propre. Voilà, en Lima Sierra Bravo, est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Hein. Ah, de ton côté, la dernière fois, ça avait marché. Hein. Ça passait mieux en Lima Sierra Bravo qu'en uniforme Sierra Bravo. Ok, je bascule en Lima Sierra Bravo. Ok pour moi. Ok, voilà, je suis rendu en Lima Sierra Bravo. Donc Gilles, voyons de ton côté ce que ça donne. Je peux pas dire qu'il y a vraiment une amélioration de mon côté. Ah bah ça y est, j'ai bouffé ton prénom. Oh bah alors là c'est là pour le coup, je l'avais tout à l'heure. J'ai voulu faire courir Gilles un petit peu sur le coup et en le faisant tellement courir, j'ai bouffé ton prénom. Oh bah zut, et comme j'ai pas le PC là sous la main. Non, de mon côté, c'est vrai que là, ce soir, j'ai pas vraiment d'amélioration pour te sortir. Donc, voyons du côté de Gilles ce que ça donne. Waouh, t'es complètement décalé. Bon d'accord, on repasse tous. Gilles, t'es complètement décalé en Lima Sierra Bravo. Là, c'est cacaboudin. D'accord, ok, c'était un coup d'essai. On repasse tous en uniforme Sierra Bravo. En uniforme Sierra Bravo. Ok, d'accord. Gilles, t'as un souci hein, en Lima Sierra Bravo. T'es complètement, complètement barré. Un peu comme le bonhomme, quoi, pour que tu comprennes mieux. Ah, si. Voilà, c'est voilà Isabelle. Voilà, c'est ça, c'est le prénom que je recherchais là à l'instant. Salut Isabelle, mais t'es pas dans ton ligne parce que là je te capte tout petit. Hein. Je suis en train de jouer avec le gain du QRM éliminateur. Là, je suis à 3 heures. Non, je n'ai pas le décodeur avec moi. Non, sérieusement, je l'entends derrière, mais c'est tout, quoi. C'est beaucoup trop QRP là de mon côté. Je vais faire un retour sur Nicolas pour voir si lui arrive à la sortir. Retour à toi, Nicolas. Ok, merci pour le retour. De mon côté, négatif, je ne copie pas du tout Isabelle, mais je la reçois malheureusement jamais au QRA. Sur le côté ouest, nord-ouest et sud-ouest, là depuis Bourne, c'est bouché. Déjà, c'est un miracle que j'arrive à coter l'ami Gilles. Donc, salutations pour Isabelle. Voilà, des bons chiffres. Je ne sais pas du tout si elle va me recevoir, c'est pareil. Voilà, mais si on voit des amitiés, les bons chiffres. Et puis, voilà, retour réussi. Ok, Isabelle, tu as les 88 de 14 km 33-10, si je ne me trompe pas dans les chiffres, c'est-à-dire Nicolas avec un K. Voilà Isabelle. Ouais, je t'ai entendu gazouiller un petit poil, mais j'ai entendu le Roger Beep du 9009 à la fin. Mais bon, j'ai pas du tout compris en espérant que tu aies eu Roger là, du QSP. Retour sur toi, Gilles. Oui, je sais pas bien, mais j'ai pas écouté ce qu'a dit Isabelle, alors je peux pas te le transmettre, j'étais occupé sur mon téléphone.
Oh, le saligo. Oh, ça, c'est pas bien, ça. Ah oui, ça, c'est pas bien. Toi, tu vas être mis à l'amende. Allez, tiens, tu vas nous organiser un visu pour le 32 de ce mois-ci. Tiens, en avant-roule. Mais non, vous voulez que ce soit pendant mes vacances. Bon, le 33, alors. Ah, tu veux dire en fréquence? Non, en date, calendrier. Bon, ça va, t'as quand même les neurones en place. Tout, il n'y a pas trop de dégâts. Ça va, on peut encore arriver à en sortir quelque chose de toi. Ouais, je ressens. Ouais, de 33 à 25h, 32. Ouais. Je pense qu'on a perdu. Je suis ressorti avec une audio un peu plus dans les médiums. Là, peut-être mieux, je sais pas. Vous allez me dire ça quand je vais relâcher le micro. Gilles, est-ce que tu peux me répéter la fin de ton indicatif? J'ai tenté une mémorisation, mais voilà, la mémoire, c'est pas mon fort. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me redonner juste les deux derniers chiffres? Ok, je reprends. Alors, c'est 14 km, 33-10, QTH Saint-Lobès, et mon PRL, c'est Vega 33 Victor Echo Golf Alpha 33. Je me suis encore mélangé. Ok, Gilles, je te remercie, là, tu es seul à 100%, c'est bon, c'est noté, c'est dans la boîte. Ok. Oui, donc, non, Rémi, c'est Gilles, hein, 14 km, 33-10, pour le coup, et moi, c'est 33-08. Bon, c'est pas gravissime, on s'en tiendra pas rigueur, ou alors on s'arrangera entre nous, là. Putain, non, mais, et sans déconner, je suis impayable, hein. Et je le fais pas exprès, en plus, hein. C'est ça le pire. Je ferai exprès, bon, ok, d'accord, ça aurait été un humour un peu bizarre, mais c'est que je fais pas exprès en plus. Oui. Procurer la liste des kilomètres. Oui, mais alors pour te dire, là, j'étais sur le canapé, le PC portable sur les genoux, en train de justement de mettre à jour, là, de faire des trucs là sur le forum. Et d'un seul coup, quand j'ai entendu appeler, j'ai tout lâché, j'ai tout posé, je me suis jeté sur la station. Et ce qui fait que du coup, j'ai pas la liste, hein, devant les yeux. Je suis trois coups. La consulter, puis j'irai le voir. Oui, bon, c'est pas grave. Le prochain coup, je ferai en sorte de prendre le PC avec moi, et puis le poser là sur mon bar. Je suis en train de voir que je dois avoir le relais de relâchement là, de l'Alpha Lima qui doit coller un petit peu par moment. Et je récupère pas toute la réception. Je suis obligé de filer un petit coup de micro pour le réveiller, quoi. Bon, lui aussi, il est fatigué ce week-end. On voit que cette semaine, j'ai fait un paquet d'heures, hein, Gilles. Hein. Oh la vache. Tu connais à peu près nos horaires. Ça, tous les jours de la semaine. Autant dire que là, ça fait jackpot. Là, sur là, je sais que pour cette semaine, je peux pas être appelé ce week-end pour aller bosser, c'est sûr et certain. Tu travailles pas ce week-end? Eh bien, même s'ils ont besoin de moi, je vois pas comment. Je suis au taquet. Carrément, je suis carrément au taquet. Donc s'ils doivent m'appeler, il y en a qui vont se faire taper sur les doigts. Ah. Allez, vas-y Isabelle, à toi. Et derrière. Là, ce coup-ci, je ne sais pas si c'est Isabelle qu'on a entendu. Ou alors, j'ai touché au clarifieur. Je ne sais pas. C'était beaucoup trop QRP, là, de mon côté. C'est toi, Daniel ? Oui, c'est Daniel. Oh la vache, il est complètement dans les choux là, ou alors
Ouais, ben de mon côté, il est complètement dans les choux. Il arrive aussi fort qu'Isabelle. Et Daniel, va peut-être falloir pédaler un peu plus vite, là. Ah oui, non, mais attends, c'est que c'est vrai, l'Alfa Lima, il est dans le push. Donc au QRA, j'imagine qu'il a que la puissance du poste. Daniel, t'es en mobile ? Alors, tu es en push, voilà, il est en push, le mien. Ah oui ? Ah, alors il va falloir qu'il roule plus vite, hein, parce que là, c'est... de ce côté-là, ça rame. C'est un petit civiste, ça, c'est normal. Oui, c'est un petit cibiste de merde. Faut pas en tenir compte, hein, de ces petits cibistes-là. Nous, on est des radios amateurs, nous. Bon, désolé, j'ai pas pu essayer de rester sérieux plus longtemps. Sinon, c'est pas possible. Allez, viens nous retirer la peine de la bouche en plus. Bon, vas-y, Isabelle, que je t'entende. Oui, parce que tu as quand même fait quelques QSO avec elle et ça avait l'air de passer. Hein. Mais là, c'est vrai que là, apparemment, ce soir, ça n'a pas l'air de vouloir, là, de votre côté. Mais je crois qu'elle se trouve vers son QRA. D'habitude, elle s'éloigne un peu, elle se met en hauteur, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, c'est vrai, je me souviens une fois qu'elle disait qu'elle modulait qu'en mobile. Oui, c'est vrai, effectivement. Oui, c'est vrai, j'avais zappé ça. Sur le coup, toi, je m'étais imaginé qu'elle était en station fixe. C'est ça. Pour récupérer un maximum de gains, j'ai mis le QRM éliminateur à fond. Dès que j'ai un petit peu de QRM, c'est vraiment tout petit. Hein. Il va falloir que je vois pour... Ah oui, j'ai toujours pas fait mes tests, parce que j'ai deux antennes filaires, enfin, j'ai deux longs fils de branchés ensemble, c'est plutôt ça, qui me servent d'antenne. J'ai toujours pas fait mes tests. En débrancher une pour garder uniquement l'autre et inversement voir ce qui est le mieux pour filtrer. Je me demande si tu peux pas envoyer un peu la purée là depuis chez toi. Ah, parce que tu vas chez Rémi, mais tu modules depuis chez lui, comme ça sera plus simple. Eh, ma foi, pourquoi pas. Il y avait Nicolas et Isabelle.
vous en prie de Daniel et de Isabelle, t'as les bisous de Daniel et puis voilà. Ouais, je reprends. Ok, merci beaucoup. Tout à retourner là pour Daniel également. Merci de m'avoir fait passer le message. Et puis concernant les QRM là de Gilles, alors je sais pas, hein, Gilles, je sais pas trop avec quel type de matériel il travaille. Je sais pas trop s'il est situé en centre-ville ou quoi. Bon, déjà pour commencer, il y a l'excellente vidéo d'un monsieur là qui s'appelle Rémi Dundee, Dundee Radio City. Là, il a une chaîne YouTube, il paraît, avec des vidéos qui sont sympas. Alors, je jette un œil, je suis très curieux. Mais il y a une vidéo sur les QRM, avec le QRM Eliminator, justement, qui serait peut-être un bon début. Et puis, bon, après, je sais pas si Gilles a vraiment besoin de conseils ou si c'était pour rigoler là tout à l'heure, mais dans un premier temps, couper le jus carrément, hein, dans son QRA, totalement, et mettre sa radio sur batterie dans un premier temps. Ça permet d'éliminer et de voir si le problème est très local, donc de la maison, ou si ça vient d'ailleurs. Voilà, retour Gilles, si tu m'as entendu, sinon on basculera sur Rémi. Oui, j'ai pas tout compris Nicolas, mais si tu peux me choper sur le groupe ou sur Messenger, tu m'expliques tout ça et je te répondrai, parce que là c'est pas des conditions idéales pour parler technique, avec un petit peu de QRM, j'ai pas tout compris, je suis désolé. Hein. Ok Gilles, pas de soucis, je te transmettrai les informations là par Messenger ou sur Facebook, aucun problème. Ok, retour Rémi. Ok, ah, attends deux secondes, puisque là je reste. Voilà. Alors, voilà. Alors, ce coup-là, ça fait un moment que je n'avais pas fait. Hier soir, on a eu notre réunion, la ERCI. Et justement, là, on est entre kilomètres. Les stations, il va falloir surveiller là un peu le site de l'ERCI, car il y a quelque chose qui va être mis en ligne nous concernant. Je n'en dis pas plus. Ah, c'est chiant ça de je lance l'hameçon et eh ben non, j'en dis pas plus. Seulement qu'il y a un truc qui est en train de se préparer là pour les kilomètres et ouais, il faut surveiller le site de l'ERCI car c'est de là que viendra l'info. Ouais, mais à ce qui paraît, ce serait une réduction d'impôts parce qu'on ferait des bons vivants, enfin, il paraît. Alors, là, ok, pour ça, tu sais que quand tu fais une donation à une association, c'est déductible des impôts. Ah ben oui, tout à fait. Ouais. Non, mais je plaisante. Hein. Voilà, donc va falloir surveiller le site, hein, voir ce qu'ils vont nous on le sait avec Isabelle. Mais on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus, mais ce qui est sûr, c'est que non, j'en dirai pas plus. Ouais, j'ai entendu Isabelle très très QRP dans le lointain. J'ai entendu le Roger Bip derrière, mais de mon côté, désolé, mais j'ai rien qui passe. Tu pourras le voir là justement dans la vidéo, dont enfin, je me mets à travailler là tout à l'heure, pendant que je continue à partager la précédente. Oh putain, ce mini-mélo. Là, va falloir que j'embauche. Allez, un centime de l'heure. Il y a quelqu'un qui est d'accord? retour sur Nico. As-tu fait des bidouilles ces derniers temps? Est-ce que tu as quelque chose de nouveau à ce niveau-là? Ok. Non. Récemment, déjà niveau radio, j'ai pas été énormément présent. Là, il y a des petits changements de vie là en ce moment qui font que j'ai un petit peu moins de temps libre. Voilà, donc ça c'est un autre sujet. Sinon, niveau bricolage, si, bon, il y a quelque chose là qui se prépare.
départ, mais c'est une modification sur mon TX. Je vais simplement ajouter un petit TCXO là dedans et modifier mon filtre. Je vais fabriquer un filtre moi-même pour la bande passante en audio là en TX. Voilà, pour monter un peu là, jusqu'à 3 kg, 3,2 kg, pour avoir un petit peu une meilleure qualité, un peu plus agréable à l'écoute là pour le local, le grand local. Puis en DX, je repasserai là, sur des bandes passantes comme maintenant. Voilà, c'est tout, niveau bricolage, rien d'autre. D'accord, et élargir la bande, ça risquerait pas de t'amener un peu plus de QRM? Niveau réception, là, moi, je touche à rien. Ça va juste être en émission. C'est-à-dire que, au lieu, quand je parle, d'accord, de balancer l'audio sur 2,6 kg de bande passante quand je parle, je vais élargir un petit peu plus pour monter jusqu'à 3. Ça va juste apporter un peu plus d'agréable dans l'audio, quoi, un peu plus de médium et de grave, tout simplement. Mais il n'y aura pas de QRM de supplémentaire ou quoi en réception. Hein. D'accord, ok. Tiens, puisqu'on parle modulation, as-tu testé, je sais plus quel nom ça porte, l'association de l'USB et l'LSB. Alors je sais pas si c'est une connerie qu'on m'a raconté ou si ça existe vraiment, mais au cours d'une discussion comme ça dans un visu, on m'a dit que ce mode existait, l'association des deux. Je sais pas, ben déjà, est-ce que ça existe vraiment ou alors c'est une blague qu'on m'a fait? Il me semble bien que ça existe. Moi, je n'ai pas la possibilité de faire ce mode-là, de tester. Donc, je ne saurais pas, te faire un retour là-dessus. Mais sinon, il y a quelque chose qui se rapproche un peu de ça. C'est la IFI SSD, finalement, hein, en USB. Là, ben voilà, en modifiant la bande passante TX, il y a des gars qui te montrent ça à 12 kHz de bande passante. Et ça te fait une qualité audio digne de France Inter, quoi. Ce serait l'équivalent, à mon avis, ce serait l'équivalent de ce dont tu parles. Et ça, du coup, on pourrait à peu près tous le faire. Parce que le mode vrai, le vrai mode dont tu parles, il me semble bien qu'il faut, faut avoir un TX adapté. Hein. Oui, bon, pour tout te dire, c'est quand existait encore Radio Anne 33. Donc c'est en discutant avec eux là, qu'on m'avait parlé de ça, et ça m'avait assez intéressé. Et c'est vrai que depuis je l'avais un petit peu zappé, et c'est là en t'entendant parler justement là, de ça, que là ça m'est revenu à l'esprit. Et c'est vrai que plutôt sur les TX, au niveau ça c'est au niveau radioamateur évidemment, mais sur les TX CB, plutôt que d'avoir le mode USB et LSB séparés, pourquoi ils n'ont pas fait directement un seul mode qui regroupe les deux, quoi? C'est alors je l'ai jamais entendu, j'ai pas eu l'occasion de tomber sur des vidéos qui fait une démonstration de ça pour voir ce que ça donne au niveau audio. Mais ça simplifierait déjà sur le nombre de modes. Et peut-être qu'effectivement, ça donnerait quelque chose de meilleur, de plus performant. Enfin, du moins, je suppose. Alors, meilleur, ouais, en qualité audio, du coup. Voilà, le son sera plus agréable, moins agressif, moins criard. Par contre, tu auras moins de performance, comme tu dis, niveau... voilà, du coup tu vas balancer un peu moins de puissance parce que ça va être réparti sur une bande un peu plus large. D'accord. Et pour le DX par exemple, bah, ce sera pas top quoi. Ah merde. Toi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de propag, mais si c'est un peu limite, tu vois, ce sera un peu moins bien. C'est quelque chose qui est plutôt à privilégier, voilà, pour du grand local, maximum 100-150 bornes quoi.
c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont passé sur les postes civils. Ah, ok, il y a l'envers du l'envers de la médaille alors. D'accord, ok. Donc non, bah, tout compte fait, c'est très bien comme ça. Ah ouais, ouais, hein, très clairement, on peut améliorer déjà un petit peu là, nos petites machines pour avoir une meilleure qualité, un équivalent quoi, quelque chose entre les deux. Mais passer purement et simplement sur un mode comme ça, ce serait pour nous, ce serait vraiment pas l'idéal. Ouais. Ok, bon, il y a toujours Gilles, Daniel, enfin, il y a toujours Gilles, Isabelle, Daniel, pour donner dans l'ordre d'arrivée, qui sont toujours là. On va pas trop les saturer de technique, même si j'aurais bien été tenté de continuer dans ce sens-là, parce que à chaque fois quand je suis en QSO avec toi, c'est un régal. C'est un régal de parler technique. Mais bon, il n'y a pas que nous deux. Donc, je vais retourner le micro sur Gilles, puisque c'est toi que j'entends le mieux. Oui, c'est toi que j'entends le mieux, Rémi. Nicolas, je l'entends, mais je comprends un mot sur trois, ce qui est dommage, parce que j'aurais aimé écouter aussi. Parce que moi aussi, j'aime bien la technique, hein, comme bien des gens. Mais malheureusement, je n'ai pas tout compris. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on se parle... sur le groupe ou sur Messenger, qu'on puisse échanger des informations. Voilà, si tu m'entends, Nicolas, à l'occasion, ça sera avec plaisir. Je vais repasser le micro à Isabelle. Je ne sais pas si Daniel est toujours là, je le reprends passer ensuite. Tu es toujours derrière, Isabelle ? On n'entend pas rien, hein, du tout. Ah, je suis en train d'essayer de jouer avec le QRM Eliminator là pour voir si j'arrive à faire baisser ça là de mon côté. C'est pas du CPL qui passe là en ce moment de mon côté, mais du QRM d'ailleurs quoi. Et bon évidemment hein, c'est pas son boulot premier là, ce genre de QRM là que j'ai en ce moment, mais j'essaie malgré tout de faire quelque chose avec. Et non, je ne l'entends pas non plus. Ah, là, ça remonte. Tac. Je crois que Daniel a parlé, mais c'est pareil, je ne l'entends pas. J'ai reconnu son bip, c'est tout. Ah, et Daniel. Ouais, Daniel a parlé, là, je l'ai entendu, mais trop QRP de mon côté. Ah là, c'est mieux comme ça. Mais j'arrive pas à le sortir pour autant. J'en ai pas compris ce que tu as dit, Daniel. Désolé. Bon, Daniel, je vais monter le volume pas mal. On va voir si j'arrive à te sortir. Vas-y, Daniel. J'ai rien qui est sorti là de mon côté là. Bon, c'est pareil, hein. J'entends le bip, mais je comprends pas ce qu'il dit. Hein. Ah zut. Bon, c'est bien dommage, mais c'est vrai que là ce soir c'est pas mal. On a tous là pas mal de QRM, là c'est chiant quoi. T'as pas... attends, j'ai loupé un passage. D'ailleurs, tu disais que t'avais du QRM, et là, tu viens de me dire que t'en as pas. Pas de seconde, ami. Oh, oh, oh.
là c'est pas gagné là. C'est pas gagné là pour le QSO. Tu disais là, faire le QSO comme ça, à s'entendre à peine, à faire répéter sans comprendre pour autant, c'est vrai que c'est pas gagné, c'est pas évident du tout. Non, c'est pas évident, c'est pas confortable, c'est sûr. Mais bon, moi je ne peux rien faire personnellement. Ouais, je reprends, je suis repassé sur un audio un peu plus péchu. Je pense quand même qu'il y aura un petit mieux là pour que Gilles arrive à me déchiffrer. Je regardais un peu là sur Google Earth. Alors entre Gilles et moi, il n'y a pas une grande distance. Grosso modo 16 km. Mais bon, moi j'ai une atténuation par mon bâtiment là qui est énorme. Et il est exactement de l'autre côté de l'immeuble. Bon, déjà c'est miraculeux que je repasse aussi bien, parce que Gilles, franchement, ici tu passes vraiment bien, hein. C'est pas très très fort, mais ça passe bien. C'est dommage que ça ne marche pas dans les deux sens, ça aurait été vraiment super. Et puis, pas de soucis, hein. On discutera technique là sur Facebook, Messenger ou le forum. Ce sera avec grand plaisir. Puis en parlant de QRM et de QRM Eliminator, j'ai mon collègue là, que tu connais, Rémi, 14 Kilomike 3312, Cédric. Oui. Qui a trouvé, il va peut-être m'engueuler, là, c'est son petit secret, mais il a trouvé une bonne astuce comme antenne à brancher sur le QRM Eliminator. Lui a mis une boucle magnétique, voilà, qu'il utilisait séparément avant. Et du coup, là, il s'en sert comme antenne secondaire du QRM Eliminator. Et ça marche du tonnerre. Voilà. Alors, bon, c'est pas à la portée de tout le monde, mais je pense que simplement de faire une antenne Gogno, une simple boucle, taillée pour le 27 mégas quand même, ferait une bonne antenne pour le QRM Eliminator. C'est une idée, tu vois, c'est peut-être un prochain bricolage à tester. Ok, et c'est vrai que là, moi, j'ai pas eu le temps, là, vu comment j'ai bossé là, ces dernières semaines, j'ai pas eu le temps de faire des tests, parce que là, j'ai deux longs fils qui sont branchés, qui se rejoignent sur un seul fil qui descend sur le QRM Eliminator. Mais, ouais, les tests qu'il va falloir que je fasse, c'est en débrancher un pour voir ce que ça donne, et inversement, pour voir en fin de compte là où ce sera le plus efficace. Puis c'est pareil, on m'a demandé une vidéo en passant plusieurs postes différents sur le QRM Eliminator pour voir les différences entre eux. Bon, là aussi, pareil, j'ai vraiment pas eu le temps là, de faire ça. La semaine prochaine, je sais pas, c'est pas gagné pour passer différents postes là, à la station. Faut que j'arrive à trouver le temps là, de faire mes tests là, au niveau du long fil. Parce que, pour mémoire, Nico, alors j'ai un premier fil qui court dans l'étagère là de mon bar, là qui fait tout le tour, là. Enfin, tout le tour, ça fait un L, en fin de compte, là, au niveau de ce fil. Là. Et j'ai un second fil qui part directement dans les combes et qui passe au-dessus des zones de QRM. Alors, c'est-à-dire à côté du de la VNC là qui tourne en permanence, hein, qui aspire l'air là qui tourne en permanence. Donc là, il y a un moteur donc qui dit moteur électrique des QRM. Et après, j'ai fait partir le fil vers la parabole et l'antenne TNT. Du moment que c'est alimenté, forcément, ça peut-être, je sais pas, générer quelques petits QRM. Mais bon, il faut que je teste indépendamment l'un de l'autre pour voir que là où ce sera le plus efficace. Bon, là, je pense pouvoir faire ça dans la semaine, à voir. Mais attends, là, tu m'as mis la puce à l'oreille sur un truc.
J'avais lu justement, je ne sais plus où, sur Internet, que l'antenne auxiliaire, justement, ne devait pas rayonner de la même façon que, pour nous, l'antenne de CB. Et ben justement, ce que j'ai fait là, je suis en dehors de ces longueurs. Donc, il y aurait deux sons de cloche à ce niveau-là, ou alors c'est vraiment uniquement que pour l'antenne Gogno qu'il faut que ce soit sur la fréquence. Ouais, je pense que tu as raison de faire comme ça. Hein. C'est bien comme ça qu'il faut faire. Ah. Mais pour l'antenne Gogno, là, pour l'instant, c'est juste comment dire. Ah ben, j'ai trop pu et moi, ça y est. Juste une idée. Et à mon avis, sur ce type d'antenne bien spécifique, faire la Gogno exclusivement pour 27 mégas, ça pourrait être la solution. Mais pour cette antenne-là, avec un fil comme ça fait, il vaut mieux faire avec des longueurs différentes des longueurs qu'on utilise pour travailler. Ah, ok. Et tu parles de Cédric? Non, mais attends, quel con. Vendredi, en débauchant, il y avait de la propague et tout, ça. Je l'ai eu en fréquence. Mais bon, avec la semaine que j'ai passée à me lever à 14h30 ou 5h du matin, j'avais pour le coup le cerveau qui était complètement en QRT, quoi. Et je ne l'ai pas reconnu, puisque je crois même que j'ai dû lui dire que je ne savais pas trop sur quel département il était. Et du coup, je lui ai décrit un petit peu l'endroit où je passais, quoi. Et c'est après à la maison, je me suis dit, mais attends, Cédric, mais bien sûr que je connais. Et je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. À l'occasion, je leur glisserai cette anecdote. Je lui expliquerai, je me suis dit, bon, ben, il m'en voudra pas. Ah, chi. Bon, zut. Il a dû se poser des questions quand même. Non, mais c'est pas grave, c'est rigolo, ouais. Ouais, c'est vrai que tu bosses comme un dingue en plus. Hein. Et sincèrement, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu tiens le coup. Attends, et le plus drôle, c'est que moi, je suis habitué à travailler la nuit. Que la nuit, exclusivement la nuit. Et là, je me retrouve à bosser, avec ces conneries là qui en ce moment et tout, de toutes parts. Bon, on va pas rentrer là-dedans, on entend assez parler comme ça à la télé et sur Internet. Hein. Plus ceux qui montent ça en théorie du complot et compagnie. Bon, passons. Je me retrouve là, du coup, maintenant, à bosser quasiment qu'en journée, quoi. Et c'est vrai que j'avoue que c'est pas évident. C'est comme si toi, d'un seul coup, on te mettait à bosser la nuit, quoi. Et ben t'as pas le choix, c'est comme ça, quoi. Ouais, je comprends. Hein. Ah zut. Bon bah écoute, il y a des périodes un peu chiantes, hein, pour dire ce qu'il est. Tout ce que je te souhaite, c'est que ce soit un peu plus confort, que ça revienne un peu à la normale prochainement. Voilà. C'est le meilleur que je puisse te souhaiter là. Et puis ouais je comprends. Je comprends parfaitement. Bon mais je fais un petit QRX 5 minutes là. Je suis appelé, je reviens. Alors attends, parce que là je vois l'heure 19h10, pour ma part j'ai pas fini, là de mon côté là au QRA, j'ai du retard à rattraper, je vais devoir passer en QRT, donc je saute sur l'occasion pour envoyer à toi Nico, Gilles, Isabelle, Daniel s'il entend derrière, les bonnes 113, 51, 88, 212 au QRA respectif avec votre permission, et je vous dis à la prochaine en QSO. Ok, bon ben d'accord, et bon il a dû entendre quand même derrière. Oui Gilles. Ah zut. Si, et désolé pour les autres stations que je n'arrive pas à copier, et j'espère qu'il y aura d'autres occasions plus propices pour cela. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse à tous, je quitte moi aussi, et je vous souhaite un bon week-end si je ne vous ai pas. Voilà, merci à tous. Ouais, je reprends. Ouais, merci beaucoup, 73 Rémi, 73 Gilles, merci pour le petit QSO, hein, c'était quand même sympa. On a fait l'effort d'essayer, c'est le principal, et puis c'était quand même sympathique. Bonne soirée à tous les deux, ainsi qu'à Isabelle et Daniel. Voilà, bye bye.
Merci, bye bye à tous. Bon, vite fait. Alors, je vais essayer de jouer un peu sur le vite fait comme ça. Alors, j'ai remarqué sur le 7009, les réglages de phase sont pas évidents. Bon, ok, je vais réduire le gain. Ah, là on voit. Alors si je mets le gain, allez, à un tiers. Ok. Là. Ok. Donc là, au niveau du gain, je suis, comme on voit sur la plupart des vidéos, là, de démonstration sur Internet. Mais on est d'accord que là, c'est comme si je baissais le RF gain du poste. Là, je remonte le gain aux deux tiers. Alors, ah, j'ai vu quelque chose là. Vite. Le premier bouton de phase à fond à gauche, ok. Je joue. Je suis à aux deux tiers. Un peu en dessous des deux tiers, ça n'a pas l'air mal comme ça. Je reviens sur le précédent. Waouh! Ah! Ah ah! Bon, il faut que je rebaisse un petit peu le gain. Là, je suis à midi. Alors j'ai le bouton le premier phase qui est à, on va dire, à 2 heures, le second bouton phase à midi, le gain pour l'instant à midi, et bon, le prochain coup, le réglage sera certainement à refaire différemment, parce que ben, c'est sous l'influence du QRM, hein, forcément. Et là maintenant je remonte le gain. Là, j'ai le gain qui est à fond. Ok. Donc, il n'y aura plus qu'à faire de nouveaux tests en QSO. 73-51 à tous.